Je préfère qu'ils soient dans un cadre où il y a beaucoup d'enfants, où ils ont des activités. Donc ça leur permet de découvrir plein de choses, faire des sorties. Ça les éveille un peu plus que de rester enfermés entre quatre murs. De Paris, il y a à boire. Près de Paris, il y a à boire. Une bergère y chante. Une bergère y chante. Les centres de loisirs de la ville de Bonneuil-sur-Marne sont ouverts tout au long de l'année, les mercredis et les vacances scolaires dans les écoles de la ville. Nous accueillons 30 et 50 enfants sur chaque centre, et cela de 7h le matin jusqu'à 18h30. On propose donc des activités selon leur tranche d'âge, selon leurs besoins, selon le rythme de l'enfant aussi. On fait aussi des sorties, donc des sorties sur la ville. On fait aussi des sorties sur l'extérieur, donc des sorties dans les parcs, les bases de loisirs, en forêt, avec des grands jeux, des terrains d'aventure. Donc tout au long de l'année, c'est la même équipe d'animation qui s'occupe des enfants et qui propose des projets. Et ce sont aussi les mêmes animateurs qui proposent des activités et des loisirs sur les temps des restaurations scolaires et des accueils post-périscolaires. Les enfants ont un repère tout au long de l'année et ils nous connaissent bien, et ainsi que les familles. Est-ce que tu aimes venir au centre de loisirs ? Oui. Pourquoi ? Parce que